Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 26e épisode de Let's Play sur Mario plus Lapin Crétin Sparks of Hope. Allez, on continue, on va papoter un peu. Pas pitié, sauvez-nous, ce tentacule m'empirine de futur présage de pommes à Paletteville. Eh bien, on va aller. Les explosions, c'est pour Bibi. Ah oui, il fallait sauver Bowser qui était pris dans les tentacules. Ok, bon. On va voir un peu ce que ça donne. On va adapter notre équipe en conséquence. Tout puissant qu'il est, même Bowser se retrouve désarmé dans la dimension de Confusion sans l'aide d'une arme boostée par un Spark. Nous avons une arme que nous pouvons prêter. Elle a été conçue pour Lapin Mario, mais s'est révélée être trop lourde pour qu'il l'utilise efficacement. Oh. Non, non, même pas vrai. Même pas vrai. Elle irritait ma peau, c'est tout. Oh, un bazooka. Ah, un canon. Les explosions, c'est pour Bibi. Vaincre Bibi. Analyse du champ de bataille terminée. Bibi est trop puissante pour que nos attaques puissent lui infliger des dégâts. Tentez de la tirer vers ses pièges explosifs. Ok. Bon. Alors, voyons. Il y a du Goomba un peu partout. Il y a du fantôme siphonneur donc qui récupère la vie des attaques qu'il fait. Ici c'est un larvin tout simple. Ok, il y a encore un siphonneur, il y a du Goomba et il y a le boss. 9770. Ses ennemis plus bondis hors d'atteinte. Lorsqu'il est touché, elle devient folle de rage et poursuit son assaillant en fonçant tête baissée dans tout ce qui se trouve sur sa route. D'accord. À savoir. Donc là, faut aller intelligemment. Peach et Lapin Mario, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, gérer l'équipe. Bon, on a Bowser. On va lui remplir. Voilà. Tire un projectile explosif infligeant des dégâts partout sur une zone cible et abri partiel inefficace. D'accord. C'est unique, je donne des fesses faire. Ok. Il peut avoir des sparks. Alors, des météores au super effet électrique. Et les ennemis à portée sont attirés vers la position du héros. Je pense que c'est marrant. Bien entendu. Amélioration. Voilà. Tout est niveau 4. Très bien. Ah oui, non, j'ai besoin plutôt de la distance, donc Y, on va modifier l'équipe, hein. Lapin Mario, tu l'oublies, et on va prendre Luigi à la place, qui n'a pas de Spark pour l'instant, on va lui rajouter ça.
Princesse Peach, ça peut être sympa. Casse-pied, la panne du jeu est plus douée pour affaiblir les ennemis en réduisant les dégâts qu'ils sont en mesure d'infliger. Ouais. Maîtresse des lames, démotivatrice. Équilibré, bagarreur. Je prends Mario à la place de Peach. Ah, d'accord. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Attendez. Ok. Je remets Mario à la place de Peach. Ah non. Non, je pensais que Bowser faisait la gueule quand c'était Mario et pas Peach. Bon, soit. Ah, ça aurait pu être marrant, mais... Je pense que c'est bon. Je vais être sûr que tous mes héros... Merci. Tous les héros ont bien... Voilà, c'est bon. Ici, les Spark, Luigi... Luigi, toutes les attaques par arme infligent. Oui, je vais prendre un... Désolé, Harmonie, mais là... Voilà. Oui, il faut que j'améliore. Pas sûr d'avoir assez pour tout améliorer, mais... avec. Bon voilà, je pense que j'ai une équipe équilibrée pour que le boss arrive dans le... dans les pièges explosifs. Alors, ben, c'est parti. Dommage.
Très bien. Déjà KO. Bon, lapin Peach. J'adore. Ah, Mario s'est touché. Voilà, très bien. C'est le moment. Bon, Mario. On va le faire reculer un peu. Allez, vas-y, tape ça. Ah d'accord, oui, d'accord, c'est... Bah, il est pas KO, non. Bon, bah, go. Allez, adieu, lapin Peach. Je pense que j'ai fait une bêtise. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a le bébé. Donc, déjà, je vais faire... Mais je pense que je vais rater hein.
Des dégâts, tenter de le tirer vers ses pièges. Oui, oui. Je suis un peu au courant, dit. Je vais devoir faire le grand tour. Voilà. C'est que j'ai plus que deux, hein, mais... Yahoo! Mais ça devrait aller. Le combat parce que là c'est la merde.
Alors, tout puissant qu'il est, même Bowser se... Nous avons une arme que nous pouvons prêter. Non, non, même pas vrai. Alors, on a nos quatre, c'est bon, tout est soigné, on est parti. Je regarde, hein, mais... Ok, c'est bon. Bah, let's go. Allez hop. Très bien Mario, tu viens. Ah. Écrasé. Voilà. Je vais dire deux. Non, on fait pas avancer Bibi, on va pas tout seul. Okidoki. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon. Alors, avec Mario... Voilà, comme ça, Bibi. Ok, t'es sur les... Bowser, tu viens là, et Lapin Peach, tu viens ici. Ah, quoique Luigi, c'est peut-être pas le bon plan. Il tire. D'abord, Luigi, tu vas faire ça. Voilà, comme ça maintenant, Luigi, tu peux venir, je dirais.
sur Bibi. Les trains chauffent normalement. Très bien, 2-1. Ah, déjà la demi-heure, ok. Ah non, 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 pardon, on est à 25 minutes. Très bien. Ok. Alors, Bowser est bugué. Il peut aller où il veut, mais... Bowser va éliminer... Je peux pas... Voilà, et Lapin Peach rejoindre Luigi. Oh purée. Et Mario, tu peux rien faire donc. Ok. Alors Mario, saute de proche en proche, ça paraît bien. Bah ouais, ça fait mal. C'est pas grave.
Charge, ok. Atterri. Merde.
c'est pas grave. Les vibes. En vrai, je le sais. Là. Waouh. Merci. Hop. Bon, normalement il y a moyen de le terminer ici. D'énergie de confusion obtenu. Alors, les guignols, un petit merci serait bienvenu. Je vous ai quand même sauvé la vie. Oh, oublions tout ça. Qu'est-ce que tu fais ici, Bowser? Ah, je cherche Kursa, tout comme vous. Elle a corrompu mon armée de sbires débiles et je veux tous les récupérer. Bipo, en autorisant Bowser à nous rejoindre, le taux de réussite de notre mission augmente de 11,34756%. Et on était à combien? Au pourcentage de chance équivalent à celui de voir des poules avec des dents. Tout juste. Je vois bien que vous essayez de me piéger et à me faire... Excusez-moi. Compliqué. À me faire commander votre petite brigade de mauviettes. Absolument pas. Et peu importe les pourcentages. N'est-ce pas, Mario? Pas de panique surtout. Je promets de ne pas vous écraser avant d'avoir réduit mes Kursa et récupérer la galaxie. Nous avons maintenant assez d'énergie de confusion pour purifier pour créer un nouveau tunnel de téléportation vers Terraflora. Et voilà, donc le printemps le prochain, enfin le dernier.
Nous devrions, en revanche, nous accorder du temps pour retrouver Woodrow. Même si la confusion de Palette Prime a disparu, il a cruellement besoin de notre aide. Très bien tout ça. Ok, c'est bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye.